Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour aller voir Virginie. Qu'est-ce que tu vas faire avec Virginie? Je vais faire des photos. Pourquoi tu fais des photos? Parce qu'elle me rend belle. Tu aimes bien faire des photos? Oui. Tu viens? Oui. Voilà, on est prêt. Eh bien voilà, on est en route pour aller faire des photos avec Virginie. À chaque fois, c'est un chouette rendez-vous parce que je sais qu'elle va sublimer ma petite fille et que les photos vont être merveilleuses. Voilà, allez, en route. On y va, allez. Oui. Ça, c'est une corne, c'est la corne de la licorne. Monsieur, bonjour, c'est pas choquant. Regarde, Sandra. Regarde ça, quoi. C'est en courte, là. Bonjour, petit animal. Regarde la belle licorne, chérie. Oh là là là. Ouais, j'ai beaucoup plus à regarder. Alors, tu viens aujourd'hui pour faire les photos avec Virginie. Oui. Donc, tu vas faire les photos de ta fille. Oui. Qui s'appelle. Comment tu t'appelles? Olivia. Olivia. Et donc, pourquoi Virginie? Alors, pourquoi Virginie? Parce que, bon, moi, je suis fan de photos. Je suis pas mal de photographes en Belgique et aussi ailleurs. Et en Belgique, il faut bien dire qu'elle a vraiment son style à elle. Alors, je l'ai connue via une amie qui a fait elle a fait la photo de mariage d'une amie. Donc là, j'ai découvert et je suis tombée sous le charme de ses photos d'abord de mariage. Et puis après, on a creusé un petit peu ses portraits de femmes. Et puis j'ai découvert qu'elle faisait aussi des super séances pour les enfants. Et on est tombé sous le charme des photos avec le Père Noël. Et donc là, forcément, on a fait notre première. Enfin, Olivia a fait sa première séance avec le Père Noël. Et puis on a continué parce qu'on est tombé amoureuse de tous les clichés. Et voilà. Et je suis moi aussi passée devant son appareil pour faire portrait de femme. Voilà. Et toi, Olivia, t'es contente de faire des photos avec Virginie? De rencontrer la licorne? Est-ce que tu peux reculer un petit peu, aller un peu plus par là? À chaque fois il fait ça, à chaque fois je me prends un papier. Ah bah oui, c'est pas... t'oublies à chaque fois. Alors vous prêtez votre cheval, enfin cheval, c'est un grand poney, un Rascone Mara. Voilà, vous le prêtez pour une journée licorne. Oui, avec plaisir. Donc une petite star aujourd'hui. Voilà. Vous allez être fiers de son nom, c'est Babar. Eh bien voilà, donc on va assister à l'inauguration de Babar en licorne. Mais merci de votre participation pour les photos de Virginie Delaby. Si peut rendre des enfants heureux, ben c'est le principal. Hein. Ouais, super. Tu aurais qu'il ait la tête, c'est possible. T'avais pas un truc que t'avais dit avec le bruit du. Avec le bruit. Il faut que quelqu'un vienne derrière moi pour faire le bruit alors. Mais où est-ce qu'il est ce plastique? Attends, ce que je vais me mettre comme ça, c'est parfait comme ça. Voilà. Où est-ce qu'il est ce plastique? Lynn, il faut que tu me regardes, chérie. Faut que tu regardes de l'autre côté pour les cheveux. Regarde vers là-bas. Voilà. Il peut pas lever la tête, le cheval, là. Lève la tête, Babar, s'il te plaît. Lève la tête, Babar. Voilà. Babar, lève la tête. Non, il est tout vide. Voilà, parfait. Voilà. Lille, non, pas dans le vide, ton regard. Voilà. Super. Alors, on fait pas. Ici, c'est parfait. Ici, c'est bon. La première fois que vous faites des photos avec Virginie? Ah non, c'est pas la première fois du tout, c'est la, je ne sais pas quand t'es fois. Et pourquoi choisir Virginie? C'est la meilleure. C'est la meilleure. Ouais, tout simplement. Là comme ça?
Ah, mon souris. Non, tu vas tomber là. Reste droite, chérie. Oui, reste bien à droite, s'il te plaît. Très bien, super. Julie, bonjour. J'ai cru entendre que tu photographiais les animaux. Oui, tout à fait. Donc, je suis passionnée depuis que je suis petite des animaux, en particulier des chevaux. Donc pour mon plaisir, je fais des photos souvent de chevaux en concours ou en liberté, et aussi des chiens, les chats. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et donc aujourd'hui, tu participes pour séance aider voilà, la séance licorne. Tout à fait. C'est une première. C'est hein, une première, oui, oui, tout à fait. Donc on a des chevaux à la maison et on a Babar qui appartient à une amie à nous. Et gentiment, elle nous a proposé de prendre Babar pour faire la séance. Et il y a une particularité spéciale pour photographier un animal? Parce que je suppose que ce n'est pas évident de les tenir. Je n'ai aucune connaissance technique, donc je dirais plutôt que j'ai l'œil. Donc j'ai plus facile à photographier un animal qu'un humain. Et voilà, maintenant tout ce qui est technique, ça je ne les connais pas. Donc c'est vraiment au purement par passion. Donc voilà. On peut te retrouver quelque part si... Oui, j'ai une page Facebook, Julie Goffin Photographie. Okay. Et là, il y a plusieurs de mes photos. Mais voilà, j'invite tout le monde à aller voir alors ces photos. C'est très gentil. Et peut-être la contacter. Merci beaucoup. Contre elle comme tout à l'heure. T'as froid, hein? Oui, elle a froid. Oh, comme je t'aime. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière. C'est une séance photo licorne. Pourquoi choisir Virginie Delaby? Écoute, pour son talent. C'est un talent exceptionnel. Le rendu de ses photos est fabuleux. Je pense que... Il n'y a pas d'autre choix que Virginie Delaby. Je suppose que tout ton salon est rempli de photos de Virginie Delaby. Absolument, absolument, absolument. Petit format, grand format, tout, tout, tout est Virginie Delaby. Et tes fils se sentent à l'aise quand elles prennent photo? Absolument. Ça, c'est un de ses autres talents, c'est qu'elle arrive à mettre ses modèles complètement à l'aise. Et la séance se passe mais à chaque fois superbement bien. Voilà toutes nos petites fées, hein, notre petite star du jour. Est-ce que vous avez aimé faire des photos avec Virginie? Oui! Et qu'est-ce que vous avez préféré? Pas d'être à cheval. Pas d'être à cheval. Cheval. Et toi, c'était le cheval? Le cheval. Le cheval. Le cheval. Et est-ce que Virginie, elle est gentille avec vous? Oui! Vous reviendrez? Bah, bien oui, sûr, oui. Et vous ferez d'autres photos? Oui! Aujourd'hui, c'était une séance un peu particulière. Hein, oui. On fait des photos avec une licorne. D'où te vient l'inspiration? Mais écoute, ma petite fille a 5 ans et elle est complètement fan des licornes. Et je m'étais dit que ce serait super pour toutes les petites filles et pour ma fille de faire une petite séance avec une licorne. C'est magique. C'est très magique. Tu as déjà été déçue par une séance? Non, jamais. Surtout avec les enfants, c'est toujours super. Qu'est-ce que tu aimes le plus en faisant des photos? Eh bien, écoute, déjà, c'est les contacts avec les gens. C'est tout, ça se passe toujours super bien dans le sourire, la bonne humeur. Et puis voilà, c'est toujours génial, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? La météo. Là, tu vois, j'ai très froid, donc c'est le seul truc. Pour conclure cette journée avec Virginie Delaby, je dirais quelques mots. On a tous un téléphone et des filtres super évolués. On peut donc dire qu'on est tous des photographes en herbe. On a tous un ami qui a un appareil photo professionnel et qui, à moindre prix, va s'occuper de vos photos de mariage. Mais passez sous l'objectif de Virginie. Voyez le résultat. Voyez comment elle vous sublime. Vous verrez, c'est incomparable. Et on comprend alors que photographe, ce n'est pas juste prendre une photo. C'est un métier qui s'apprend.